Tout d'un coup, j'entends mes voisins faire l'amour.
comme si j'étais avec eux. Ok? J'ai entendu les préliminaires. De dire à quel point il y a du détail au niveau auditif. Et j'aurais même pu leur répondre. Là. Oh, est-ce que t'aimes ça? Non. Non. Ok. Après quelques minutes, j'ai la réaction normale à quelqu'un qui entend ses voisins faire l'amour. Je dis, ok, là, c'est assez. Je me masturbe. Comme une belle expression dit en créole, Dieu seul me voit. C'est la chose à faire. Tes voisins ont du plaisir, c'est ça qu'il faut faire. Si tu fais pas ça, t'as un autre choix. Tu vas faire comme si t'avais plus de plaisir qu'eux en écoutant du tennis féminin très très fort. Quand tu mets le volume. Le seul truc, c'est faut pas que ça soit un match avec une des deux sœurs Williams, sinon ça a l'air de viol. Faut pas faire ça. Non, mais pour vrai, moi je choisis cette option-là. Je suis avec mes voisins, je suis dans le moment, ils ont du plaisir, moi aussi. Et tout d'un coup, j'entends. Alors je ralentis. Tu veux pas que ce soit le moment ou non? Non. Et ça continue. Ça continue. Oh, elle se bat quand tu fais ça. Oh, j'aime ça quand tu fais ça, Marc. Oh. C'est de cette façon-là. C'est de cette façon-là que j'ai appris que j'avais des voisins homosexuels. C'est comme ça que ça arrivait. C'est aussi comme ça que j'ai appris que j'étais ouvert d'esprit parce que j'ai continué. Ah, on give a shit! Ouais. Non, mais c'est pas une chose que j'encourage les gens à faire, mais je pense qu'on devrait être plus ouvert d'esprit. Si t'as envie d'être comme ça, sois-le. Je veux dire, c'est pas un problème. Il y a des endroits dans le monde où ça pose problème. Je pense à la Jamaïque, où encore aujourd'hui, l'homosexualité est un crime passible de 10 ans de prison. Tu vas en prison pendant 10 ans, tu vas sortir plus gay, no matter what. C'est pas logique. Ça fonctionne pas. Mais je pense que c'est pour ça qu'en Jamaïque, il n'y a rien qui a l'air gay. Quand tu parles avec un accent jamaïcain, rien n'a l'air gay, jamais. Je te donne un exemple. C'est un Français qui t'appelle et dit, ça te dirait d'aller faire du pain.